Suite à la saga des souffleuses, Cédric, il a une nouvelle auto. Il a croisé un camion dompeur. Tu sais, les souffleuses mettent ça dans un camion dompeur. Puis en passant à côté, il a reçu un bloc de glace sur le hood. Mon pauvre Cédric, lâche pas. Une affaire cool cette semaine, quand un abonné de la chaîne YouTube de la France passe au Canada, au Québec, à Laval, visiter sa famille, puis qui rentre dans la librairie pour te dire bonjour, je te suis sur YouTube. C'est cool. Salut, Slay. Cette semaine, en facsimilé, le Détective Comics 28, la première apparition de Robin. Mais vous allez apprendre qu'il y en a qui vont justement se rendre compte que c'est quelques pages, parce que Détective Comics, c'était pas Batman le livre. Fait qu'après quelques pages, ben, t'as d'autres trucs. Moi, je trouve ça bien malade. T'as plein d'autres histoires. Spy, Red Logan, des héros oubliés. Crimson Avenger, ça, il y a eu d'autres séries plus modernes chez DC. C'était attendu, hein? Les fans de Boba Fett vont triper pendant que Solo est dans le vaisseau. Le retour de la série Donjon de Lois Trondheim après un hiatus d'une dizaine d'années, peut-être non plus que ça. Voici le tome 7, c'est reparti. Et un truc qui m'a accroché, moi, cette semaine, magnifique dessin. Un autre western, une jeune femme, ça c'est le tome 2. Hein, Danny, ça c'est dans tes cordes, ça? T'aimes bien ça, cette thématique-là. C'est l'histoire d'une jeune fille qui fuit son passé, et là, on va voir qu'est-ce qui se passe dans le tome 2, à une époque assez rough. Il y a le Festipod organisé par mon ami Fanny et d'autres podcasteurs qui aura lieu au pub L'Adversaire le 21 et 22 mars. Pat La Rochelle, les petits chefs, puis moi, on s'en parle. On y songe beaucoup. Y aller peut-être. Il reste samedi, Pat. Samedi, Pat. Et toi? Veux-tu venir avec nous? Vous le savez, ma radio est pétée dans mon Dodge. C'est pour ça, justement, que je suis rendu que j'écoute des podcasts à pelleter. Mais oui, Jacques me l'avait dit que ça ferait ça. Mais là, c'est une maladie. C'est aussi pire que le coronavirus, cette histoire-là, d'un Dodge. Deux amis de la famille dans leur Dodge Caravan, la radio ne marche plus exactement comme moi. Il y en a une que même son CD marche pas. Fait que podcast power. Puis oui, quand t'écoutes ton podcast, des fois, t'en écoutes un après l'autre, tu es dans le char, dans le trafic. Fait que je download ça, j'écoute ça en rafale. Je suis en train de rattraper les mystérieux étonnants. Quand soudain...